Mademoiselle Kim, petite, française, introvertie. J'ai commencé à peindre, je devais avoir 6-7 ans. Et j'étais dans la cuisine et j'ai pris tout ce que je pouvais trouver. Il y avait de la couleur, de la moutarde, du Nutella, de la confiture. Et mes parents avaient une couverture en vison. J'ai vu cette couverture comme une espèce de toile blanche. Et j'ai repeint la toile. Enfin, j'ai repeint la couverture. Et je me souviens maintenant, 40 ans après pratiquement, je me souviens que lorsque j'ai dû y rester une ou deux heures, et lorsque c'était terminé, j'ai trouvé ça tellement parfait. Je crois que ça représentait bien ce que je ressentais à ce moment-là. Aujourd'hui, je me reconnais plus. Soir, j'ai encore trop bu. C'est le commun. Namasté. Oxymore. Autoportrait. Honnête. Sévère. Bleu. Figuratif. Simplicité. Manger, boire du vin, la musique, la peinture, je suis quelqu'un de très curieux. Solitaire aussi. Je crois que le métier de peintre, contrairement à celui de musicien par exemple, ou de réalisateur ou d'acteur, c'est vraiment un métier de solitaire. On est seul, mais on est seul avec. J'en ai vite rajouté 10 avant qu'il ne se ressaisisse. Je ne suis pas timide, mais enfin, je ne suis pas extravertie non plus. Et donc pas vraiment à l'aise. Tous les portraits sont des autoportraits. Il n'y a pas de séparation entre mon art et ma vie. On ne voit pas les mêmes choses. Les gens que je peins ne se voient pas comme je les vois, et c'est très bien comme ça. Je n'embellis pas la figure humaine, encore moins la mienne. Le regard est au centre de mon travail, car il suscite le désir. Ce qui est intéressant, c'est la lutte intérieure, le conflit, l'imperfection. Je suis en perpétuelle recherche du regard qui m'a manqué et qui a manqué à mes sujets. C'est le regard que nous portons sur les choses qui crée et fonde le tragique, la transgression, etc. Ma mémoire est définitivement plus sensorielle que congénitive. Mon corps est un baromètre de mon âme. J'ai l'anxiété exacerbée, je suis incroyablement fragile et je l'exprime quand cela est possible.